MSA, c'est quelque chose de innovant dans le sport en général, qui est logique en tant que sportif et entre entreprises et tout le monde sportif. Après, c'est vrai que c'était pas forcément déjà vu avant, je pense, sous mon point de vue, parce que on était en tant qu'athlète, là je parle, même si je suis à la retraite, c'était quelque chose qui n'était pas conviable, si je peux dire ça, avec le sport de haut niveau. Donc c'était soit tu choisissais de faire les études, soit tu choisissais de faire du sport. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de demandes et beaucoup de sportifs qui n'arrivaient pas à convier les deux. Et je trouve que c'est intéressant et c'est une sorte de sécurité pour le sportif de savoir que tu peux combler les deux. Et il le faut. Il faut que MSA, comme on dit, perdure et permette de se diversifier et d'avancer. L'action menée par le Moselle Sport Academy est une action extrêmement importante au regard de la précarité à la fois des sportifs de haut niveau, mais également sur le vide juridique et statutaire sur le statut de sportif de haut niveau. Et donc toutes les actions menées à direction de la formation, de l'acquisition d'un statut, de la prévention sur le sportif, son suivi, son accompagnement d'après carrière, en faisant bonifier ce qu'il a pu acquérir au cours de sa carrière, est une action extrêmement importante menée par le Moselle Sport Académie.